L'Orangerie, c'est d'abord un puissant roman de Larry Tremblay qui a reçu plusieurs prix, notamment celui des libraires du Québec, ainsi que le prix littéraire des collégiens. Il a été traduit en 7 langues et publié dans une 10aine de pays. Il connaît maintenant une deuxième vie par le biais du théâtre. Nous sommes donc très heureux de vous le présenter dans son adaptation théâtrale mise en scène par Claude Poisson, qui en est, avec cette production, à sa 5e collaboration avec Larry Tremblay. L'Orangerie est une fable fascinante sur l'enfance et la guerre. Cette réflexion sur l'absurdité du cercle vicieux de la haine et de la vengeance raconte l'histoire des jumeaux Ahmed et Aziz. Quelque part dans un coin de la planète volontairement non identifié, une guerre sans nom fait rage. Une famille vit dans une orangerie, là où pousse la vie. Puis, un obus traverse le ciel et tue les grands-parents des jumeaux de 9 ans. L'odeur de la mort vient balayer à jamais le droit à l'insouciance de ses enfants. Pour venger l'honneur familial, un pacte est conclu entre un seigneur de la guerre et le père des jumeaux. Ce dernier accepte le sacrifice d'un de ses fils qui aura pour mission de traverser les lignes ennemies vêtu de la ceinture d'explosifs. Dans quelques jours, l'un d'entre vous retournera là-bas. Votre père décidera. Et celui qui aura été choisi portera une ceinture d'explosifs. Il descendra jusqu'à cette drôle de ville et la fera disparaître à jamais. Dieu vous a choisi. Le choc des valeurs culturelles et des liens de sang est cruel et se déroule devant nos yeux impuissants. Des années plus tard, l'un des jumeaux, celui qui semble avoir été épargné par la guerre, aspire à devenir comédien en Amérique. À travers un rôle qu'il s'apprête à interpréter, son passé et cette macabre loterie qui l'a séparé de son frère vont le rattraper. J'ai coupé les mains de ton père. J'ai piétiné le ventre de ta mère. Et pourquoi l'ai-je fait? Réponds-moi! Moi, je ne sais plus. La guerre commence, mais ne finit jamais. Dieu n'a jamais existé. Sous la direction du metteur en scène Claude Poisson, une 10aine d'acteurs nous livrent des performances à la fois sobres, inspirées et inspirantes. Poisson a choisi l'économie du geste, laissant toute la place à la poésie du texte. Il use de procédés lumineux, vidéos, musicaux, scéniques pour présenter les différents tableaux qui nous mènent d'un destin à l'autre. L'Orangerie est un spectacle où se côtoient poésie et réalité crue, une histoire qui fait malheureusement écho aux situations politiques internationales actuelles. Un récit habilement transposé à la scène, une expérience bouleversante.